J'ai obtenu une épée. Une vraie épée. La vraie épée est rouillée. Et vieille et rouillée. Mais son ombre en fait une épée parfaite. Une lame parfaite. Votre ombre est plus lourde. Ok. Donc en fait, quelle que soit la lame, attaque. Appuyez sur le bouton B pour attaquer. Pour déclencher jusqu'à 3 attaques. Vous pouvez ainsi attaquer en sautant ou en vous agenouillant. Voilà. Heureusement que je ne dois pas affronter ces monstres à main nue. Votre ombre est plus lourde. Voilà. Et là, c'est... ça va être galère. Enfin, galère. On va avoir de plus en plus d'ennemis, des ennemis différents à chaque fois. On va dire les araignées, c'est le truc de base, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette tour, alors? Par qui a-t-elle été construite? Et dans quel but? Votre ombre est plus lourde de 20 grammes. Et en fait, plus l'ombre est lourde, plus on a de vie, en fait. Et c'est un principe sympa. Carte globale. Appuyez sur le bouton plus pour ouvrir la carte pause. Vous pourrez voir votre carte position sur la carte globale. Vous voyez, on est tout en bas de la tour. Et pour l'instant, on voit qu'on est à 14,7% du jeu. Donc le jeu, il est assez court, hein. Je crois qu'il fait 2 heures à peu près le jeu. Mais voilà. Alors on va peut-être le finir. On va peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas le finir aujourd'hui. Mais on en a pas pour 107 ans quoi. Et là, ça... premier monstre volant. Bon bah. Ils sont pas. Je me demande ce que c'est que cet objet de lumière. On dirait que ça ne sert à rien. Votre ombre est plus lourde. Ok. Oui, donc toi, c'est un objet qui fait de la lumière et on sait pas c'est quoi. Et comme j'ai jamais fini le jeu, je pense que peut-être on aura un pouvoir pour alterner le truc. Altérer le cours du truc. Mais mourrez tous! Et là, on arrive sur un portail. Alors là, il nous propose des espèces de jets de vapeur ou de flammes. Je sais pas trop. On peut passer en bas. Mais en bas, on voit bien que c'est bloqué. Donc en fait, c'est au cas où si on tombe. Alors normalement, si on se débrouille bien, on peut le faire d'un coup en fait. Parce que c'est calculé pour le faire d'un coup. Et voilà. Donc là, il nous montre qu'on va avoir des jets de vapeur ou de flammes ou... Ok, ça nous a full soigné. Voilà. Et on a... Là, on va vers le 3E, 5E. Voilà. Par rapport à la carte, vous voyez, on est encore plutôt bas. Bon. Ah, attendez, j'ai vu une échelle, là. Ah, ah.
Qui dit échelle dit nouveau gameplay. Enfin, nouveau gameplay. Ok. Le principe de je monte sur Ah, mince, mauvais sens. C'est intéressant, vous voyez. Et voilà. Alors, il y a plusieurs façons de trucs. Il y avait comme un espèce d'escalier. Ah, il me dit que c'est pas par là. Parce que là, j'arrive vers les ascenseurs. Ascenseur. Ah, mais l'ascenseur est bloqué. Ça veut dire qu'à un moment, on pourra redescendre de la tour pour faire des trucs. Donc, il y aura peut-être un peu de backtracking, quoi. Un petit peu. Yes. Et là, mon but, c'est de trouver les trois, on va dire les trois œils rouges, yeux rouges. Ah, nouveau système, déplacement de la lumière. Si une barre se défilement apparaît en bas de l'écran, ça signifie que vous pouvez déplacer la source de lumière de cette zone, pointer la télécommande, ok. Donc en gros, je peux venir là, et je peux lui dire, voilà. On monte comme ça. Mais je peux aussi lui dire... Bah non, en fait, on va dans l'autre sens. Voilà. Je dois faire attention à ne pas me faire écraser par les ombres quand je... La lumière bouge. Votre ombre est... Ok. Je suis en train de réfléchir, je crois que j'ai oublié un truc en bas. Je suis en train de réfléchir. À un moment, j'ai sauté à gauche d'une plateforme et j'ai pas été voir à droite. Attends. Juste vérifier un truc. Il se peut qu'il y ait rien, mais... Là, juste avant les araignées. Là-bas, voilà. Ah bah, il n'y avait rien, en fait. Bon bah, voilà. C'était juste pour vérifier. Non, parce que parfois, il y a des petits endroits, on va dire, des sources de... d'âmes ou d'ombres cachées. Donc, voilà. Donc... Bon, après, celui-là, il n'était pas... Ok, voilà. C'était pas si compliqué, là. Ah oui. Ça, c'est des... on va dire des générateurs, des... Ça fait popper des monstres en fait.
là. Voilà. Voilà, plus je tue d'araignées, plus ça me fait d'XP, donc moi je suis content. C'est un concept particulier quand même de jouer qu'une ombre. Ah. Déplacement. Oui, en gros, là, ils me disent que en fait, la lumière, on peut la déplacer. On peut la descendre. Là. Donc. Il y a un levier. On peut aussi la lever. Je crois que ça rapporte. Ouais, ça apporte rien de plus. Et là, vous voyez, l'araignée est beaucoup plus grosse. Parce que ça doit être une maman araignée. Ok, j'ai gagné un peu plus de niveau. Et j'ai toujours pas beaucoup de vie, hein. Ça me saoule. Ouais, on a toujours pas vraiment monté dans la tour, quoi. Ah oui, je me souviens de ça. Ombre aux yeux bleus. Les ombres d'ennemis avec des yeux bleus sont immunisées contre les dégâts des armes. Cependant, vous pouvez utiliser les machines de la tour pour les vaincre. Vous pouvez vaincre ces araignées aux yeux bleus en les touchant avec les flèches de la machine sur la droite. Donc, moi, je peux pas les toucher. Mais, si je fais ça, j'active la machine. Et voilà, j'ai tué les araignées. Alors, un nouveau concept, c'est-à-dire... Ah, on voit que en haut, là, il y aura une boule encore. Donc, il faudra activer un truc. Hop, hop. Et là, on voit qu'on peut que descendre. Bon, bah, on descend. Ah, là, on peut pas. Ah. C'est un piège. Il faut faire attention. Voilà. Bon, après, quand on connaît à peu près le principe des araignées. Voilà. Quand on connaît les araignées, c'est plutôt simple. On dirait une impasse, mais ça n'en est pas une. Votre ombre, ok. Ah, j'étais pas au bon endroit. Et là, on active des panneaux solaires, enfin, on déplace certains trucs. Voilà.
Et là, comme on a levé les tubes sur lesquels on était passé en premier. Bah, on va pouvoir monter. Alors, je me souviens plus très bien de... Alors, je crois qu'il va... Ah oui, non. C'est pas dans celui-là qu'il y a des araignées. Ah, si. Je me souvenais qu'il y avait un... Voilà. Ouf, c'est pas loin. Hein. Là, on voit que je peux pas sauter. Voilà. Là, les araignées, ils sont prêtes. Qu'est-ce qui est cool, c'est que je peux les taper. Bon, je vais pas dire de loin, mais... prudemment. Ah, là, on voit encore une barrière. Donc, peut-être encore un nouveau... boss araignée. Donc voilà. Et je crois on revient au début du niveau. Partie terminée. L'ombre 1 du garçon s'est éteint à cet endroit. E9. Enfin, E6, E9. Réessayez. Et donc on revient au début de cette partie du niveau. Et on doit recommencer. Enfin, je sais pas si on doit tout recommencer ou si les trucs qu'on a débloqués sont déjà débloqués. Non, on doit tout recommencer. Donc... voilà, c'est sympa. Et j'ai l'impression que l'expérience est gardée. Donc... aïe. Il faut faire attention avec les grosses araignées. Aïe. Ok. C'est les grosses araignées qui m'embêtent le plus en fait. Parce que elles ont tendance à attaquer beaucoup plus loin en fait. Les petites, voilà. J'étais en train de regarder, ouais. Ouais, j'ai qu'une épée pour l'instant. Donc ça risque d'être compliqué. Mais ça va. J'espère juste que ça va pas devenir trop dur après. Et qu'on fasse pas que mourir en fait. Sinon je vais devoir baisser la difficulté. Et c'est pas forcément le plus drôle quoi.
Parce que moins on se fait toucher, mieux c'est en fait. Ah, il y en a une qui a bugué. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de vie hein, pour faire les 4 araignées qui vont traîner là. J'ai remouru. Et elles font vachement mal en fait. Bon bah on réessaye hein. Troisième fois. Et donc voilà, ça risque d'être long. J'ai l'impression que la première fois, j'y avais réussi mieux, quoi. J'avais beaucoup plus de vie. Ah, j'avais pas tué tout le monde. Voilà. Donc on a quand même pas mal de vie, mais faut faire attention. Ok. Le boss, enfin le boss, une grosse araignée. Voilà, je me suis pas fait toucher sur celle-là, c'est cool. Donc ça va me permettre de me soigner beaucoup plus. Et il me semble pas que dans la partie que j'avais fait quand j'avais fait le jeu, que j'avais eu des objets de soins. Donc j'ai été peut-être pas parti aussi méga loin. C'est sympa la cinématique, mais dommage qu'on peut pas la passer. Bon, on va essayer de se concentrer. Tout à l'heure, on était arrivé jusqu'aux deux araignées. Les deux grosses araignées. Donc, ça peut pas être compliqué. Là, on est un peu plus de la moitié de la vie. Yeah.
Bon bah je crois que je vais changer la difficulté, hein. Ça fait quand même trois fois qu'on essaye et puis voilà. Donc on a presque un niveau de plus, donc. Alors les niveaux, j'ai pas bien compris l'intérêt du niveau, mais bon. Ok. Ah, j'ai eu un niveau supérieur. Donc. J'ai 18 mémoires, 3000. Alors le niveau, est-ce que ça me permet de taper plus fort? Je ne sais pas, peut-être avoir plus de vie. Bon, quatrième fois qu'on voit la cinématique. Et là, j'espère que ça va aller mieux. Ou alors, ce serait bien une arme à distance, genre un arc ou un truc comme ça. Voire même des cailloux. Jeter des cailloux. Ça pourrait être intéressant. Ou même mieux, un boomerang. Ça serait une arme à distance et ça serait pas trop compliqué à. C'est bon, je suis full vie maintenant. Voilà, là on va arriver au boss araignée où on était bloqué tout à l'heure. Enfin, bloqué. Une fois qu'on les a passés, je remettrai en normal.